Ça va toujours. Moi aussi. Vous savez, comme on fait tout en autoproduction, ces derniers jours ont été assez sportifs. Donc là, on va faire peut-être quelque chose. Je sais pas, vous avez peut-être couru vous aussi avant de venir pour se détendre tous ensemble. Voilà, je vous propose une chose, peut-être, Renan, est-ce que tu as quelque chose, voilà, pour nous mettre bien, voilà, nous détendre tous. C'est bien, moi j'aime bien, c'est parce que c'est frais. Est-ce que voilà, c'est un peu un peu plus velouté, quelque chose un peu plus rond, un peu plus voilà. Là c'est très très bien. Voilà, donc on se détend. On prend une grande inspiration. On lève les bras au ciel et on dessine un grand soleil. Je me suis baladé cet hiver avec toutes sortes de créatures auxquelles je me donnais en pâture et qui portaient des noms divers. J'ai accueilli tout un bestiaire. J'étais un vrai coin de nature, parfait pour la villégiature. Faut dire qu'il y avait matière. D'abord ce fut une éphémère qui se logea dans mon regard et qui passa sa vie entière à le rendre tout à fait hagard. Une fois l'éphémère disparue, vint une petite bricole qui me suivait dans la rue et se blottissait sous mon col. Bientôt je l'appelais ma puce quand je n'avais pas peur des mots. Je l'appelais même Pupus lorsqu'elle me faisait sa démo. Comme elle me sautait sur le dos pour me gratter les cheveux, je contractais les abdos. Je dois vous faire cet aveu, car de la Pupus à l'oursonne, elle passait sans prévenir. Si elle se sentait mollassonne, et moi je devais tenir. Je ne faisais pas de manière, même si j'avais un peu la trouille. Mon épaule fut sa tanière. Puis un jour elle devint grenouille. Dès lors je fus embarrassé, je me contentais des caresses et je n'osais plus l'embrasser, de peur qu'elle devienne une princesse, de peur qu'elle ait des exigences plus complexes que de faire son nid contre mes lèvres ou sur ma panse. Le suspense fut aussi court que la grenouille était charmante. Et c'est avec le souffle court que je retrouvais mon amante. Dans un baiser de conte de fées, je sentis frissonner ma peau.
Elle me fit tenter tant d'effets que je suis devenu un crapaud. À présent plus de parapluie, on est taillé pour le bien-être. On a tout de la peau qui luit et une langue de 3 mètres. Et quand s'en viennent les jours de pluie, on s'en va faire du pédalo. Notre bonheur ne veut pour lui qu'un bout de feuille flottant sur l'eau.